Plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience physique qui pourrait être prise en charge avec de la rééducation. Seuls 5 à 15% des patients qui ont besoin d'aide technique ou d'appareillage y ont accès. À la Fondation MSF, on s'est demandé comment on pouvait permettre à des personnes amputées ou sévèrement brûlées d'être soignées dans des pays où les solutions techniques et les ressources humaines qualifiées sont limitées ou tout simplement absentes. La réponse, c'est la technologie 3D ancrée au cœur des programmes de rééducation. Elle participe à la création des prothèses, des orthèses ou encore des masques de compression pour redonner de l'autonomie à nos patients. Ces soins, que l'on appelle des soins de suite et de réadaptation, nécessitent une prise en charge spécifique et de forts niveaux d'expertise. Rarement priorisés, ils restent très peu pratiqués alors même qu'ils sont essentiels dans le rétablissement des patients. Pour améliorer leurs conditions de vie, gérer les douleurs et les séquelles physiques, retrouver de l'autonomie et de la mobilité, retrouver un rôle au sein de sa famille et de la société. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Le programme 3D nous permet d'améliorer le processus de création des appareillages, de la réalisation d'un bilan clinique individualisé qui met le patient au centre du processus, à la prise d'empreintes, la modélisation, puis la fabrication. On utilise un scanner pour créer une image 3D de la zone du corps concerné. Le fichier numérisé est traité grâce à un logiciel de modélisation qui permet de concevoir l'emboîture et la prothèse, l'orthèse ou encore le masque de compression. Dans certains cas, ce fichier peut être traité par une équipe experte à distance et c'est ce qu'on appelle la télé-expertise. Dans les zones d'intervention de MSF, l'absence de personnel formé à ces tâches très spécifiques représente la principale barrière dans l'accès aux soins. Au cœur des projets 3D de la Fondation, la télé-expertise permet de dépasser cette barrière, de partager connaissances et savoir-faire afin d'autonomiser les équipes sur le terrain, étape après étape. Grâce à l'imprimante 3D, équipement léger et à moindre coût, on peut ensuite passer de la modélisation à la fabrication sur place, sans rupture d'approvisionnement. Aujourd'hui, en Haïti, à Gaza et en Jordanie, les patients de MSF ont accès à des soins de qualité et sont suivis sur le long terme par une équipe pluridisciplinaire de rééducation. Car c'est bien avec et pour le patient que continue cette dernière phase, pour obtenir un résultat parfaitement adapté et répondant précisément à ses besoins. La technologie 3D fait désormais partie des soins de routine que les équipes MSF peuvent proposer à Amman, Gaza et Port-au-Prince. C'est le résultat d'un travail collectif en évolution permanente et d'une somme d'expertise. Les équipes de la Fondation MSF travaillent avec des partenaires engagés et spécialistes dans leur domaine, comme l'hôpital Léon Bérard sur la modélisation des masques pour les personnes brûlées, mais aussi avec un réseau de Fab Labs et des partenaires techniques de qualité. C'est ce savoir-faire, en constante progression, qui est transmis aux équipes locales pour poursuivre la recherche et le développement de façon autonome. Au-delà de la technologie, ce sont nos patients impliqués au cœur du projet et moteurs de leur propre adaptation qui retrouvent leur quotidien. Aller à l'école, conduire, travailler ou tout simplement écrire.